numéro 1. Devant. Sur la gauche, au fond là-bas, la Dominique. Derrière nous, Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, vendredi 23 août 2019. Salut, 24 août samedi, j'ai quitté le mouillage des Saintes ce matin à 8h. Là je suis dans le canal qui traverse entre les Saintes et la Dominique. J'ai un cap direct sur l'extrême nord-ouest de la Dominique, là que la visibilité n'est pas trop mauvaise. Vous pouvez voir ce profil dans la brume légère. La Dominique au fond là-bas. J'ai un bon vent de travers, bon plein. Donc je suis dans une direction sud-sud-ouest. 4,6 nœuds de vitesse. Je suis au régulateur d'allure qui fonctionne très bien ce matin, qui est bien parti tout de suite. Et donc je traverse direct. J'ai fait un contour du rocher ce matin de la petite lance où j'étais ancré pour la nuit. Un petit contour au moteur. Et j'ai attaqué direct avec un bon vent, là, un bon 4, force 4. Une houle assez, assez conséquente pour le vent, disons, c'est une houle qui doit faire 1m50, 1m90, donc ça bouge, j'ai toutes les voiles dehors, et je fonce donc sur ce cap, et ensuite pour prendre une décision, m'éloigner quand même des côtes de la Dominique pour pas me prendre des coups de calme, perdre le vent,
Donc je vais essayer de passer ça quand même, faire un contourner là assez largement. Et ensuite piquer sud, je pense, j'arrive pas à me décider à partir sur Curaçao direct. Ça me fait 4-5, ça me ferait une bonne semaine de mer. Ah, il faut vraiment l'avoir, pas le choix pour le faire, disons, puisque là j'hésite encore, donc il se peut que je descende direct sur, Cariacou, les Grenadines. De là, je gagnerai, même si je veux, j'aurai toujours la possibilité, encore le choix, l'option de faire d'un côté la Guyane ou d'un côté la Colombie. Et j'aurais gagné 100 000, ce qui n'est pas négligeable, un bon 24 à 30 heures de navigation en moins si je décide de repartir sur les donc sur Curaçao. Voilà pour les prévisions. Je vais essayer de descendre assez vite quand même en bas là. Je vais essayer de sauter. Bah là, je vais sauter la Dominique aujourd'hui sans problème. Il se peut que je navigue toute la nuit. J'espère trouver le courage pour être dès le matin dans les eaux de la Martinique et éventuellement passer la Martinique aussi. Il y a un tropical storm, orage tropical, tempête tropicale en cours. Hier, en descendant la Dominique, j'allais passer la passe de Martinique, le canal de la Martinique. C'était un peu dur comme mer, et puis il était un peu tard, donc j'ai décidé de rebrousser sur la Dominique. J'avais pas de météo, mais j'avais pas trop confiance, surtout qu'on m'avait averti par VHF. J'avais entendu des bribes d'un voilier que j'ai croisé, donc je me suis rabattu sur Roseau. Là je suis à Roseau, enfermé dans le bateau, sur une bouée donc. Et ben dehors ça sévit, ça monte en puissance depuis hier soir. C'est parti avec des petits orages, c'est bien calme. Et là le vent se forcit de plus en plus. Je vous montre rapidement à cause de la flotte, mais là ça s'est un tout petit peu calmé, donc c'est trop bien. Voilà, bon là oui ça paraît calme, ça s'est calmé, enfin c'est une accalmie. Hein. Oui, hier il y avait des annonces donc à la radio, heureusement je comprends l'anglais, sur les radios dominicaines, comme quoi ils coupaient l'eau, de faire des réserves d'eau, etc. etc. Donc j'ai demandé au gars qui m'a placé sur la bouée, il m'a dit que c'était prévu pour 48 heures, donc aujourd'hui et demain. Bon ben moi je suis là, je me suis bien accroché, j'ai tout arrimé et sécurisé sur le pont. J'ai visé le pont de tout ce qui pouvait s'envoler et j'attends tranquillement à l'intérieur. Il n'y a pas de soleil, alors le panneau solaire ne charge absolument pas. C'est la première fois que je vois. Ah, il charge, il essaye, mais vraiment, vraiment, vraiment zéro quoi. Aujourd'hui, c'est dur, il n'y a pas de soleil. Mais là, c'est midi, c'est une heure, c'est pour ça. On dirait qu'il charge un tout petit peu là. Donc le soleil doit être au zénith. Donc il met vraiment, c'est par intermittent, c'est très, très, très légèrement. C'est pas ça qui va me faire tenir en électricité, mais je devrais avoir assez d'électricité jusqu'à demain, je pense. Ok, prochaine bulletin d'information à venir en cas de changement drastique. Ah oui, pour info, la Dominique, ça a été dévasté par l'ouragan Maria, qui est passé juste après Irma. Ils ont autant morflé que Saint-Martin. À part que c'est pas la même géographie ici, mais tout est détruit. Hein. J'avais déjà vu ça en passant à l'aller. Donc il y a une véritable psychose de l'hurricane et des tempêtes. Parce qu'ils sont régulièrement. Ils en avaient subi d'autres, je me souviens plus, Erika, je crois. Enfin, ils sont en plein milieu de l'axe principal des ouragans.